Et bien salut à tous les abonnés, j'espère que vous allez tous bien. Moi ça va super. Alors aujourd'hui nous sommes avec Jojo. Et vraiment c'est une vidéo en fait vraiment très spéciale, parce que nous allons rentrer dans l'IRL les gars. Oui, nous allons rentrer dans l'IRL. Bon après on ne verra pas dans la tête, mais nous allons rentrer un peu dans l'IRL pour cette vidéo très spéciale, d'où la miniature et le titre de la vidéo les gars. Alors là nous sommes donc pour cette vidéo très spéciale avec Jojo en voc sur Discord. Salut Jojo. Salut. Bah Jojo, on l'entend pas très bien, voilà, parce que son micro il bug un peu. Ne vous inquiétez pas. Bon les gars, donc tout simplement, je vais vous montrer, on va passer dans les règles pour la deuxième partie de la vidéo. Déjà, je tiens à vous remercier vraiment pour les 737 abonnés, vraiment. Merci infiniment les gars. Voilà, c'est la première fois qu'on est avec Jojo en voc les gars, donc c'est pour ça. C'est vraiment, bah, c'est vraiment du nouveau. Après, je sais pas si j'en ferai quelques autres. Toi Jojo, tu penses que ça serait bien quand même de voc avec les abonnés, peut-être pour le 1v1? Ouais, bah moi je pense aussi bah pour le 1v1, tout simplement ça peut être vraiment pas mal les gars. Donc tout simplement les gars, bah nous allons passer en IRL pour vous montrer bah les coques du téléphone les gars. J'en ai vendu donc à Jojo et à d'autres amis. Nous allons ouvrir, bah on va faire une sorte de type opening d'enveloppe. Alors Jojo, bah ta coque elle se tient bien ou pas? Alors ma coque elle est très très bien, ouais. Elle résiste vraiment très bien, 10 fois mieux que l'autre. C'est vraiment de la qualité, surtout que tu peux les custom et tout. Ouais bah c'est vrai que quand même bah en plus je t'ai fait quand même fait un bon prix cadeau de 5€. Voilà bah les gars c'est quand même assez génial. Bon bah si vous voulez n'hésitez pas à m'en dire en commentaire, bah je vais vous les montrer en vraie grandeur. Bon après celle de Jojo bah il a pris, mais c'est pas grave les gars, j'ai bien évidemment fait des photos les gars avec son écran téléphone et tout les gars, c'est juste magnifique. Donc tout simplement et bah on va passer en IRL, allez les gars, c'est parti. Et c'est parti, nous sommes donc en IRL, voilà, bon, tout a changé, le son et tout les gars, donc c'est à, bon, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo IRL, comme vous pouvez le voir tout simplement, au début de ma chaîne YouTube, j'avais fait des vidéos IRL les gars, voilà, pour les Lego et tout, mais cette fois, on recommence avec les codes du téléphone, voilà les gars, donc tout le bins, bah, je vais vous montrer tout ça par un les gars, déjà un petit, tout simplement une sorte de petit tapis de souris d'année que j'avais fait, au début en fait, c'est le premier truc que j'avais fait custom les gars, après bah, j'ai fait du Clémol Studio pour mes films en fait tout simplement les gars, et après bah, on est passé sur des grands posters en vraie grandeur les gars, voilà. Un grand Kylo Ren, c'est quand même vraiment, j'en ai fait un Kylo Ren, puis après j'en ai fait un Dark Vador, j'en ai plein d'autres comme le CV14 comme ça, avec le CV et le Clémol 14, et bien évidemment un Clémol comme ça. Bon j'ai fait le même les gars pour Jojo tout simplement, voilà, j'ai fait le même. Donc bah je vais vous montrer peut-être pour une prochaine vidéo les gars, ou même Jojo il pourra vous montrer sur sa chaîne YouTube. Voilà, même vous, si vous allez sur son TikTok, Jojo, vous pourrez le voir. Il a fait un TikTok exprès pour ça les gars. Donc bah c'est quand même assez stylé moi je trouve. Bah tout simplement les coques de téléphone que vous attendez. Bon après je peux vous vendre des posters, voilà, des petits posters comme ça ou des gros posters. Bon après des posters moyens ou des quand même assez gros posters les gars, je peux vous vendre ça si vous voulez. Mais vraiment bah ce qui a été le plus vendu c'est vraiment les gars les coques de téléphone. Bon les coques de téléphone que je vais vendre à un abonné les gars. Et après bon après comme vous voyez c'est bien évidemment pour des iPhone SE ou pour des iPhone 7, 6 et tout, bah c'est toujours la même chose, même iPhone 8 et tout. Bon les gars, ça comme vous l'avez pu le voir, bah c'est pour mon téléphone les gars, parce que bah au début je voulais tester pour par exemple pour voir la qualité les gars, la qualité quand même qui était vraiment bah elle est très bien, mais bon celle que Jojo qui a dit qu'elle était extraordinaire c'était cette qualité là, voilà. Bon après ça coûte bien plus cher les gars, ça coûte 20€, mais bah après tout simplement c'est quand même de la plus grande qualité. Après bien évidemment on a tout simplement des coques souples vraiment qui sont bah en fait moi au début j'y croyais pas du tout que tout simplement qui est en fait bah on peut imprimer sur des coques souples, mais bah en fait ça c'est vraiment génial, ça bah ça store surtout, c'est ça store et bah ça résiste à l'eau en fait, c'est juste génial. Donc bah c'est quand même génial les gars. Donc et bah si vous voulez tout simplement en avoir, n'hésitez pas à me dire sur mon Discord en fait, tout simplement vous allez sur mon Discord que j'ai écrit dans la description les gars, vous me MP, ou vous allez sur un serveur Discord que j'ai écrit exprès les gars, le clemval14.art. Voilà, c'est vraiment exprès pour les coques de téléphone. Et tout simplement bah j'ai demandé à des graphistes tout simplement pour créer une sorte de communauté qu'on puisse par exemple custom
bah, vos coques de téléphone que vous me demandez. Par exemple, moi je peux vous faire toutes les coques de téléphone et gammes que vous, bah, que vous pouvez avoir. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous en voulez. Voilà le prix, bah, par exemple le prix des vraiment des coques ultra solides, c'est 20€ les gars. Sinon le prix tout simplement des coques comme ça, et bah c'est 10-13€. Bah je verrai, ça dépend de la taille et bah tout simplement la grosseur du téléphone. Et les gars, en fait, tout simplement, et bah on a eu des retours d'argent, en fait, des abonnés qui en avaient, par exemple Jojo, ou un abonné qui avait demandé une coque. Bon, après, il y a eu un petit problème dans la commande, il y en a une et deux les gars, mais après, bah c'est pas très grave. Voilà, bon, j'en vendrai une et j'en garderai une, tout simplement. Déjà, on a un premier abonné qui nous a donné, bah tout simplement, une enveloppe. On va l'ouvrir tout de suite en vidéo, les gars, c'est parti. Voilà, bon bah merci vraiment infiniment. Voilà, Clément14 avec l'adresse, les gars. Donc bah je vous enverrai tout ça sur Discord, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez plus qu'à tout simplement me dire bah, ce que vous voulez. On verra tout ça. Bon bah déjà, bah, merci infiniment. Je vais donc envoyer la coque tout simplement à l'abonné qui m'a donné ça. Et bah bien évidemment, Jojo qui a pu tout simplement me payer comme ça en IRL parce que vu que c'est un ami, voilà, l'argent, bah merci infiniment les gars. Donc bah voilà, n'hésitez pas par exemple si vous habitez bien évidemment en France de me l'envoyer par la poste, et bah moi je vous envoie tout simplement vos coques par la poste les gars, ou après bah soit on peut payer sur internet et tout les gars. Donc bah c'était vraiment pour vous dire bah merci déjà infiniment aux abonnés, et bah vous pouvez avoir plein de choses Clément14, enfin, je pense que vous, une coque Clément14 les gars, c'est pas ce qui va vous intéresser. Je pense que vous préférez plutôt une coque en fait tout simplement customisable. Mais bien évidemment, après, vous soit vous me donnez en fait votre logo ou bah bien évidemment votre image. Ou soit bah, c'est moi qui vous, bah, vous me dites par exemple des choses, si vous voulez un corbeil, une Billy, un stou et tout, vous me dites ce que vous voulez. Et moi je vous crée bien évidemment à ma manière après. Si vous n'aimez pas trop ma manière de créer, par exemple, avec quelques petits comme Stu, avec une sorte de petit effet lumineux derrière, voilà, un peu transparent, la Billy et tout, si vous n'aimez pas trop ça, bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous aimez bien, et moi, je vais vous le faire. Ça va vraiment être un plaisir de vous les faire, les gars. Voilà, donc, bah, environ en fait ça tout simplement ça coûte 10€, donc environ 13€. Je vous redirai ça tout simplement après. Bah bien évidemment les coques assez encore plus solides, bah bon là moi c'est un effet blanc, mais je vais vous montrer bien évidemment après avec Jojo quand on va l'interviewer les gars. Avec en fait c'est bien, c'est beaucoup plus stylé son intérieur de la coque de Jojo. Moi je sais pas pourquoi, bah moi ça a pas été aussi stylé que ça, mais bah après on verra bien les gars. Voilà donc tout simplement un petit plan de haut avec bah, les posters. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez un poster. Voilà, je vous fais votre image aussi. Vous me dites bah, les grandeurs. Bon, là, c'était vraiment petit. Là, c'est vraiment grand. Mais voilà, des posters environ comme ça ou comme ça. N'hésitez pas à me le dire. Voilà, tout simplement. Bah voilà, c'était vraiment une vidéo exprès pour vous montrer tout seul. Clemval.art, les gars, et tout et tout. Et je peux même vous créer encore plus de trucs. Par exemple, si vous voulez, bah, je sais même pas moi, une couverture customisable, un tapis et tout, n'hésitez pas à me dire, n'hésitez pas à me donner des idées, je ferai un plaisir de vous créer tout ça les gars. Allez bon bah maintenant on va passer à l'interview avec Jojo et sa coque de téléphone. Et c'est parti, on y est parti pour l'interview avec Jojo. Alors bah n'hésitez pas à me dire si vous l'entendez bien ou pas Jojo, et on verra bien ça. Alors Jojo. Bah cette coque qui est très bien, je vous la recommande à tous ses abonnés. Bah c'est vraiment pas cher. Pour ce que c'est du coup, parce que il a fait pas trop cher et c'est vraiment trop bien. Par exemple, je l'avais trempé dans l'eau un moment et l'imprimerie ne s'enlevait, donc c'est vraiment bien. Bah du coup, je vais tester, je l'ai pas tapé ultra fort contre le sol parce que c'est quand même pas une Rhino Shield, mais c'est vraiment très très bien. Bah merci Jojo, bah donc en fait, ouais, bah elle est vraiment quand même, bah c'est bien. Moi, bah les coques, comme je vous ai dit, qui coûtent... Bah bon, après, c'est 20€, mais ne vous inquiétez pas, il y a quelques petites réductions. Normalement, ça coûte 20€ sur le site, mais il y a quelques petites réductions. Mais donc, en fait, tout simplement, bah, c'est vraiment pas mal, en fait. Bah, comme bah, je vais vous montrer, tout simplement, regardez à l'écran, voilà. À l'écran, comme vous voyez, il y a des trucs ultra stylés, des triangles ultra stylés, en fait, dans la coque de Jojo, vraiment. Et en plus, bon, là, comme vous voyez, sur le screen, il y a le téléphone de Jojo avec le petit logo que je lui ai fait de sa chaîne YouTube, les gars, donc, bah... N'hésitez je pas précise, à... le téléphone n'est pas à vendre.
Oui les gars, le téléphone n'est pas à vendre. Le téléphone n'est pas à vendre. Ah bah sinon ça coûterait pas 15€. Ça coûterait je pense 200€, 300€. Avec une balle de téléphone surtout et la coque. Donc bah voilà, SF Jojo comme vous le voyez bas à droite de l'écran, voilà. SF Jojo, bah bon, après c'est pas un tiret vertical, hein. C'est un tiret tout simplement horizontal, le tiret du bas, les gars. Voilà, SF tiret du bas Jojo, les gars, bah voilà. Je vous ai mis le lien de sa chaîne en description. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Il a fait une nouvelle vidéo bah, que j'ai pas encore vue, mais je vais aller la regarder avec plaisir. Donc bah les gars, tout simplement, la coque, elle est pas mal. Surtout bah, les coques un peu plus chères qui sont bah en fait c'est comment dire c'est plus rapport qualité prix que Rhinoshield, parce que Rhinoshield c'est vraiment quand même très cher, 40€ la coque. Bon après elle résiste à tous les gars, mais bah après je peux même vous faire des coques Rhinoshield si vous voulez, mais bah après c'est comme vous voulez les gars, moi je peux vous en faire, mais bah tout simplement les gars, ouais ça sera plus cher, c'est 40€ la coque avec les frais de transport et tout, ça vient au moins à 50€ les gars. Bon après les gars, déjà elle est quand même assez bien la coque, même Jojo qui dit que en plus tu l'as vraiment trempé dans l'eau, c'est bah ça c'est bon, j'espère que t'as pas trempé le téléphone aussi avec, sinon ça j'ai peur que non j'ai trempé avec la feuille. Ah tu me fais peur Jojo, parce que hein, bon non, mais... après si tu as le test de tremper mon téléphone avec hein, c'est 230€ en plus hein, je devrais te payer. Ah bah, comment te dire que bah la coque elle est pas trop garantie, enfin la coque elle est garantie mais le téléphone il est pas garanti les gars, alors ouais voilà. Bon les gars, donc en fait la coque... Ouais. La coque elle est garantie que si est-ce que c'est ça. Bah enfin bon, c'est la coque elle est quand même assez solide donc... Mais c'est forcément impossible parce qu'une coque quand il n'y a pas un téléphone dedans c'est cassable. Ouais, c'est vrai. À part si tu l'attends dans tous les sens. Non, mais ouais, bon. Tu vas pas faire ça. À part les coques souples que je vous ai montré, se tordent dans tous les sens, les gars. Mais sinon, bah ouais, bon. Évitez de tirer airsoft dessus, les gars. Ça va péter. Et aussi, déjà, bah, bon, si vous entendez un peu mal Jojo, c'est normal. On est sur Discord, mais ne vous inquiétez pas, c'est mon téléphone et tout et tout. Ne vous inquiétez pas. On va essayer de créer, par exemple, on va voir si Jojo, il peut venir chez moi pour faire d'autres vidéos comme ça, les gars, parce que c'est vrai que c'est un tout petit peu énervant, les petits bugs comme ça, les petites coupures, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc bah la petite interview de Jojo, c'est fini. Donc bah elle est quand même pas mal. Bon après, l'abonné qui m'en a aussi demandé une, et bah il ne l'a pas encore su, mais il va me te la recevoir et donc on pourra peut-être l'interviewer aussi. Donc bah les gars, voilà, c'est fini pour l'interview. Je vais passer pour vous montrer quelques autres trucs aussi pour la coque et aussi le serveur Discord de claimval14.art, d'où en fait Jojo est client fidèle parce que vu qu'il a commandé une coque et voilà, et surtout aussi c'est un ami. Bon les gars, donc bah merci. Merci au client fidèle. Allez, à tout Jojo, à toutes. À tout. Et voilà donc les gars, allez, on passe sur le serveur Discord. Et voilà les gars, nous sommes donc dans le serveur Discord, voilà. Bon après, vous aurez juste à passer la petite vérification dans les logs, voilà, la vérification c'est très facile, voilà. C'est juste des lettres, 6 lettres avec un petit trait barré. Bon après, si vous arrivez pas, n'hésitez pas à me le dire, je vous mettrai directement les rôles et tout, n'hésitez pas à me dire en MP. Bon déjà, le général, enfin, bon après, il y a quelques petits trolls, bon, voilà. Les talents art, en fait, tout simplement, dans le talent art, j'ai mis quelques coques de téléphone que j'avais faites, voilà, avec, donc, la coque Jojo, tout simplement, que je vous avais montré tout à l'heure, voilà. Donc, en fait, tout simplement, avec l'écran et, bah, son logo, et la coque Jojo, qui est très solide, les gars, mais je vais vous montrer l'intérieur et tout. Donc, bon, après, là, c'est dans le talent art, tout simplement, vous mettez, bah, si vous êtes graphiste, tout simplement, vous pouvez mettre ça dedans. Bon, après, il y a beaucoup de gens qui sont plutôt clients, les gars, voilà, vous allez tout simplement dans votre rôle, les gars. Bah il y a quand même 4 clients les gars. Alors on va voir qui sont les clients. On va aller dans l'action. Alors il y a, ok, voilà. Bon, on a 4 clients, sans compter Carlbot bien évidemment. Mais voilà, Jojo qui est donc dans le serveur Discord et qui est donc en fait tout simplement, voilà, et c'est Jojo comme le nom de sa chaîne YouTube les gars. C'est un visiteur, bon visiteur c'est comme membre, voilà c'est pareil. Client, bah en fait client de moi et aussi bien évidemment du serveur, client fidèle parce que bah, il a commandé la coque, il a payé, tout a été bon alors. Bah voilà, c'est un client fidèle. Tout simplement, le règlement en fait, bon, voilà, tout simplement, vous n'êtes pas, bon, essayez comme, lisez quand même un peu le règlement, mais voilà, il n'y a pas trop d'insultes et tout, il n'y a pas d'arnaque, surtout de la part des graphistes. Bon, nous sommes dans l'espace graphiste, voilà, dans l'espace où les graphistes bah, peuvent parler sans les clients en fait, parce que là, nous, bah, nous ne voyons plus Jojo,
il n'y a que les graphistes. Donc bah, c'est sûr, bah, ne mettez pas le rôle graphiste pour être sûr d'avoir le d'avoir cet espace et tout, ne vous inquiétez pas, il y a tout simplement général dans le texte, voilà, ici vous pouvez parler avec tout le monde les gars. Après l'espace client, dans discussion, il n'y a que les clients les gars, enfin il y a quelques graphistes aussi, pour pouvoir parler avec les graphistes et tout. Et là, bah, bien évidemment, dans demande pour projet, bah, en fait les gars, nous allons faire surtout un projet pour, bah, pour les câbles de téléphone et surtout les objets du quotidien custom les gars, donc changer en fait un besoin en l'art en fait, parce que la coque de téléphone c'est un besoin de tout simplement de garder le téléphone tout simplement en vie en fait, voilà, de pas le casser, mais on change en art pour bah, tout simplement en fait le bah voilà, avec du custom et tout bah tout se fait en fait dans le enfin blacklist, voilà, aucune arnaque, je vous fais confiance les gars. Communauté tout simplement, bah les sondages, bah je mettrai quelques sondages sur tout ça. Ouais, quelqu'un a mis que du 2, ouais, il s'est bien amusé. Donc bah les gars, j'aurai un peu de sondage, mais n'hésitez vraiment pas à le rejoindre. J'ai mis le serveur en description. Nous sommes déjà 22 les gars et 15 en ligne. Donc bah je vous fais confiance les gars, je vous fais confiance. Rejoignez-le si vous voulez. Bah plutôt MEMP au lieu d'aller dans le serveur, vous voulez MEMP tout simplement. Et bah mon pseudo c'est Clemval14. Et après hashtag 8475 les gars, je vous ai aussi mis ça dans la description et dans l'espace commentaire. Donc bah les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc bah n'hésitez pas, par exemple là il y a des visiteurs qui ne sont pas que des clients, ils sont juste là pour voir bah, un peu le serveur et tout, après s'ils veulent devenir des clients. En fait le client c'est surtout les gens qui bah qui demandent, bon, les miniatures, les logos, moi je peux vous les faire gratuits parce que voilà, c'est pas un truc vraiment, moi les miniatures, vous me demandez une miniature, je vais la faire en 5 minutes, voilà, c'est pas ça qui va me faire durer le plus longtemps. Mais les coques de téléphone, faut créer la coque, faut bien mettre, comment dire, faut bien mettre les bonnes tailles en fait, surtout, sinon après ça rentre pas, ça fait pas bien, faut bien centrer les trucs, faut vraiment que ça soit la coque parfaite pour les clients en fait. Donc c'est vraiment plus compliqué les gars, surtout après il y a la coque à payer, il y a le matériel, donc bah c'est pour ça. Donc bah je vais vous, bah, n'hésitez pas déjà à me dire en commentaire si vous en voulez. Et après bah je fixerai les prix tout simplement. Et après n'hésitez pas à me dire si c'est trop pour vous ou pas assez. Et on fera bien évidemment dans sondage, un petit sondage, quel prix est le mieux placé pour les coques de téléphone. Bon après ne me dites pas zéro parce que voilà. Mais quand même, bah soyez honnêtes les gars, je vous fais confiance. Et aussi, bah tout simplement, si vous voulez bah avoir des miniatures ou des logos, ça aussi vous pouvez me demander les gars en commentaire. Bon allez les gars, à tout donc pour une prochaine vidéo. J'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Vraiment bah, on reprend un peu l'IRL les gars pour les coques de téléphone. Voilà bah, peut-être chaque semaine s'il y a beaucoup de commandes, bah, chaque semaine je ferai des commandes, bah, des commandes groupées pour payer moins en fait les frais de livraison en fait, tout simplement. Donc bah n'hésitez pas à me dire. Voilà, allez, bah, j'espère que les coques vous auront plu et la vidéo aussi. Merci donc d'avoir liké pour pouvoir la coque. Et bah merci aussi vraiment de vous avoir abonné. Allez les gars, à plus pour une prochaine vidéo. Bye.